Le klaxon du bus fait pip pip pip. Pip pip pip. Pip pip pip. Le klaxon du bus fait pip pip pip. Dans toute la ville. Les essuie-glaces font sweet sweet sweet. Sweet sweet sweet. Switch, switch, switch. Les essuie-glaces font switch, switch, switch. Dans toute la ville. Les bébés du bus font go, go, go. Go, go, go. Go, go, go. Les bébés du bus font go. Avoir un oui, voilà ce qu'il faut faire. Wow! Faites semblant d'être eux et marchez dans leurs chaussures. Imaginez ce qu'ils pensent et ressentent et ce qu'ils veulent pour vous. Une fois que vous avez ça en tête, faites ensuite votre demande. Demandez du raisin au lieu du gâteau. Je parie qu'ils répondront oui. Maman, je peux avoir des carottes. Oui. Papa, je peux avoir du fromage. Oui. Maman, pourrais-je avoir une pomme? Oui. Et des myrtilles, s'il vous plaît. Oui. 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 Faites vos devoirs, nettoyez votre chambre. Je parie que vous devinez. Quand vous demanderez d'aller jouer, bien sûr, ils répondront oui. Oh, je comprends. Faites semblant d'être eux et marchez dans leurs chaussures. Imaginez ce qu'ils pensent et ressentent. Ils sont heureux comme nous aussi. Exactement. Si tu veux voir un bon film, un samedi pluvieux, faites vos corvées, demandez à papa ce qu'il pense qu'il vous dira. Oui. Maman, on peut aller chez Samy. Oui. Papa, tu veux danser? Oui. Maman, tu peux m'emmener patiner? Oui. Papa, on peut voyager en France? Quoi? On plaisante. Oui, c'est comme ça qu'on a un oui. C'est pas très difficile. Vous avez compris ce que veulent les parents. Vous êtes tous les deux intelligents. Merci, Gigi. Merci, Noah. C'est incroyable. Pas de problème. Amusez-vous bien. Thank you.
5 petits canards sont allés nager sur la colline, on l'a envoyé. La mère canard dit quoi, seuls 4 canards sont rentrés. 4 petits canards, 4 petits canards, 4 petits canards. Seuls 4 canards sont rentrés. 4 petits canards sont allés camper sur la colline, on l'a envoyé. La mère canard dit quoi, seuls 3 petits canards sont rentrés. 3 petits canards, 3 petits canards, 3 petits canards. Seuls 3 canards sont rentrés. 3 petits canards ont fait du vélo sur la colline, on l'a envoyé. La mère canard dit quoi, que seuls 2 canards sont rentrés. 2 petits canards, 2 petits canards, 2 petits canards. Seuls 2 canards sont rentrés. 2 petits canards ont fait de la randonnée sur la colline, on l'a envoyé. La mère canard dit quoi, que seul 1 petit canard est rentré. 1 petit canard, un petit canard, un petit canard. Un seul canard est rentré. Un petit canard est allé nager sur la colline, on l'a envoyé. La mère canard dit quoi, que tous les canards sont rentrés. 5 petits canards, 5 petits canards. 5 petits canards sont allés nager sur la colline, on l'a envoyé. La mère canard dit quoi, que tous les canards sont rentrés. 5 petits canards, 5 petits canards, oh, 5 petits canards, 5 petits canards sont rentrés. Oui! Je ne veux pas ranger ma chambre. Je ne veux pas me lever si tôt. Je veux pas me brosser les dents ou prendre une douche ou aller dormir. Je veux juste regarder la télé, manger plein de glace au chocolat. Je veux jouer à mes jeux vidéo et jouer avec vous à cache-cache. Je veux pas débarrasser mon assiette. Je ne veux pas faire mes devoirs. Je ne veux pas aller à l'école ou aller en classe ou lire un livre. Je veux juste m'asseoir et puis rêver de voyager pour Mars sous Vénus. Je veux faire semblant de voler comme les oiseaux au-dessus des nuages. Je ne veux pas, je ne veux pas, non, certainement pas. Je n'y vais pas, je n'y vais pas, non, pas aujourd'hui. Quoi? Oh non! Je ne veux pas prêter mes jouets. Je ne veux pas avoir de petite sœur. Je veux pas me laver le visage ou manger des légumes ou brosser mes cheveux. Je veux juste taper avec mes amis, entendre mes musiques favorites ou aller au parc de loisirs, aller jouer dans les montagnes russes. Je ne veux pas, je ne veux pas, non, certainement pas. Je n'y vais pas, je n'y vais pas, non, pas aujourd'hui. Alors, retirez ça de votre tête. Pardon, maman, pardon, papa. On va faire ce que vous nous demandez. Venez ici, les enfants, on va vous coucher. Demain, c'est un nouveau jour d'école.